de la dynamique du royaume des cieux aux quatre dimensions du royaume de Dieu. Donc, c'est le sujet que l'apôtre Phila va aborder, toujours en compagnie de madame et monsieur. Apôtre, bonjour. Bonjour, je bonjour disais à tous. de la dimension du royaume des cieux aux quatre dimensions du royaume de Dieu. En 5 minutes, qu'est-ce qu'on peut retenir sur cela? Et nous allons nous plonger dans le jeu de questions-réponses. Merci. Il faut dire d'entrée que lorsque Jésus a parlé de son royaume, de son Église, il a promis des clés à Pierre, donc le leader, celui qui devrait diriger les autres. Il a parlé des clés que j'appellerai le trousseau. Ça veut dire aussi, en d'autres termes, il lui a remis les secrets, les codes. Il lui a remis la révélation des facteurs déterminants, manifestant le royaume de Dieu. Et quand nous avons parlé de la dynamique, ça veut dire c'est aussi toutes ces forces, toutes ces clés, toutes ces valeurs, ces mystères qui constituent la manifestation du royaume de Dieu. Et dans cette dynamique, nous avons juste changé de présentation thématique. Nous avons voulu aborder le même thème sous les quatre dimensions, comme autrefois nous avons parlé de la manifestation du plan de Dieu en 4D, ça veut dire en quatre dimensions. Il sera question de la largeur. Entendez par largeur ici l'étendue. Et dans cette étendue, ça veut dire un grand espace pour placer tous les éléments possibles qui constituent le royaume de Dieu. Dans cette large, vaste espace, donc la largeur, nous entendons par là la diversité. Vous accepterez certains mots que nous expliquerons, comme la multi-ethnicité, la pluralité, l'intemporalité, l'universalité du royaume de Dieu. Ça veut dire simplement que le royaume de Dieu étant dans sa longueur de temps éternelle, comme Nabucodonosor l'aura, Darius aussi l'auront reconnu, ce royaume de Dieu dans son universalité résiste, subsiste dans le temps et dans l'espace, dans toutes les générations, avant même l'arrivée de Dieu sur terre par Jésus. Il parlait du royaume de Dieu, il parlait de son plan d'établir le royaume de Dieu, psaume 30, verset 11, ses desseins subsistent d'âge en âge, de génération en génération. On a son chronogramme, il est passé par Abraham, Moïse, David, qui était voilà, le descendant de Judas, le précurseur, l'ancêtre de Jésus, dont le cri de Bartimée, fils de David. Israël attendait ce fils de David, roi. Pourquoi roi? Parce qu'il n'y a pas de roi sans royaume. Donc quand Jésus vient sur la terre, en disant « je bâtirai mon église », c'est le périmètre du royaume de Dieu sur la terre, c'est l'ambassade du royaume des cieux sur la terre pour promouvoir, c'est ce que nous sommes en train de faire ici, promouvoir les valeurs, la puissance, l'éternité, l'universalité, comme on a dit, la multi- ou pluri-ethnicité. Ça veut dire que le message du royaume de Dieu qui devrait être prêché jusqu'aux extrémités de la terre ne concerne pas seulement les Européens, mais c'est un message universel, comme nous avons dit, multi-ethnique. Ça veut dire ethnos. Ethnos, ça veut dire des nations. Ça concerne toutes les nations dans sa longueur, dans le temps et dans l'espace. Ça concerne le temps jusqu'à la fin de temps où nous sommes, jusqu'à la fin du monde. Donc la dimension spatio-temporelle, permettez-moi, du message du royaume de Dieu et de son efficacité. Donc ici, il est question de tout.
toutes les ethnies, de toutes les ethnos, toutes les nations, toutes les races, toutes langues, comme cela est dit dans Apocalypse au chapitre 5, verset 9. C'est la révélation que Jésus a donnée à Jean sur l'île de Patmos. Et là-bas, il est justement question de cet épisode de la fin des temps, après le jugement, après tout, tous les rachetés. Donc, on est en train de célébrer Jésus, l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Et on chantait en son honneur qu'il a, fait pour Dieu un royaume des sacrificateurs constitué de toute langue, de tout peuple, donc de toute nation, donc les ethnos de toute tribu. C'est là que nous pouvons vanter, faire la promotion de cette multi-ethnicité du royaume de Dieu. Merci beaucoup, apôtre. Et nous voyons donc, vous venez d'expliquer ce schéma, ce pourquoi ces quatre dimensions se justifie en la personne de Jésus qui est l'être et le fondement de ce royaume de Dieu. 706-32-32, c'est le numéro par lequel vous pouvez joindre le pasteur tout à l'heure. Vous pouvez donc, il est prêt à répondre à vos questions. Madame, avez-vous une question à poser au pasteur? Oui. Le pasteur, je voudrais savoir quels sont les facteurs manifestant le royaume de Dieu. Nous l'avons vu en même temps, merci pour nous donner l'occasion de le rappeler, dans la dynamique du royaume. Les facteurs, ce sont ces différentes forces qui concourent à la manifestation du règne, donc du basiléa de Dieu ici sur terre. Ces facteurs où c'est clé, je dirais, aujourd'hui, il y a la foi en Jésus-Christ. Sans la foi qui implique la repentance, le renoncement à soi pour faire de Jésus-Christ son unique sauveur, faire de son nom l'unique nom à invoquer et adorer, faire de son esprit l'unique esprit à invoquer, c'est cela, croire en Jésus. Je vais dire par là, croire en Jésus veut dire ne croire qu'en Jésus, en son message, en son nom, en son esprit, en sa personne, sa mort, sa résurrection, sa seconde venue. Nous allons prendre cet appel. Allô? Oui, allez-y, le pasteur vous écoute. Est-ce que Jésus était venu pour nous, les Africains? C'est la question qu'on pose au pasteur. J'ai répondu à cette question en parlant autant de... Allez-y, pasteur. Autant de l'universalité du royaume de Dieu, du message de Jésus, du sacrifice de Christ sur la croix. Il est mort pour toute l'humanité. C'est pourquoi, à la fin, j'ai cité Acte 5, 9... c'est tous les rachetés, donc toutes les nations, les ethnies, les noirs, les blancs, toutes les langues du monde entier seront réunies pour adorer l'agneau, donc Jésus-Christ, qui est sur le trône. Il n'est pas venu juste pour les Africains, même si pour désillusionner certains ou fermer la gueule aux contradicteurs, comme disait Paul. Nous pouvons démontrer que Jésus-Christ était bel et bien noir, okay, mais il n'est pas venu pour les noirs, il est venu pour tout le monde. Jésus-Christ était bel et bien noir, il était venu pour tout le monde. Nous allons prendre cette question. Allô, c'est... Oui, bonjour. Vous pouvez poser votre question, le pasteur vous écoute. Allez-y, allez-y. Pourquoi Jésus avait dit à la femme cananéenne quoi? Ah, d'accord. Donc, c'est le monsieur qui revient. Pourquoi Jésus avait dit à la femme cananéenne, je ne suis pas venu pour vous, mais c'est plutôt pour les brebis perdues de mon père. Bon, je ne sais pas si... Je ne sais pas si Jésus l'a dit exactement comme ça à la femme samaritaine.
les Samaritains comme les Juifs attendaient le Messie. La Bible dit que le salut vient des Juifs. Donc historiquement, selon la promesse faite à Abraham, la descendance d'Abraham, ça veut dire les descendants d'Abraham, donc les Juifs. Donc dans le plan de Dieu, le salut vient des Juifs. Mais dans ce même plan, ça ne devrait pas s'arrêter aux Juifs. D'abord, les enfants de la maison d'Israël, et après, dans le plan de Dieu, ce salut était destiné aux extrémités de la terre. Dans la promesse faite à Abraham dans Genèse 12, Dieu lui a bien dit que tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations, toutes les ethnos. Donc, c'est par la postérité d'Abraham que cette bénédiction Allô, devrait nous avons un autre appel, atteindre les nations en passant par Jésus. Allô? Oui, bonjour. Oui, posez votre question, le pasteur vous écoute. Oui, en fait, j'apprécie beaucoup ces interventions, surtout parce que chaque dimanche je suis sur les quatre dimensions du royaume de Dieu. Voilà. Donc je propose ceci. En fait, quand il explique, mais qu'il explique en fait dans un français où tout le monde peut comprendre. Vous comprenez, Télé Coco est suivi même dans les villages. Cette émission est suivie dans les villages. Les gens doivent comprendre dans les mots les plus simples. Parce que c'est un peu trop académique. Moi, je comprends. Mais est-ce que le jeune qui est en sixième, qui est en troisième, peut comprendre un certain nombre de choses avec certains mots? Donc, je voudrais que le pasteur simplifie un peu le langage, qu'il mette le langage à la dimension de tout le monde. Merci beaucoup. En fait, ce qu'on vous reproche... Nous avons déjà répondu à cette question. C'est le langage. Pour gagner le temps. Ils veulent que vous puissiez revoir un peu le langage, le simplifier un tout petit peu. Vous avez une question? Il est tout de suite simplifié. Quand nous avons parlé ethnocité, culturalité et tout ça, nous avons expliqué, donc tout de suite après un mot académique, s'ensuit une explication. Donc, je ne suis pas sûr que ceux qui nous suivent ont du mal à comprendre. Ne craignez pas, suivez-nous très bien, vous allez vous rendre compte que on peut chaque mot est expliqué. Chaque mot est expliqué, donc voilà. On peut prendre cet appel. Allô? Bonjour, l'apôtre vous écoute. Allez-y, l'apôtre vous écoute. Reprenez un peu, vous dites Jésus avait. La Bible a été amenée par un bête, mais pour qui dit que Jésus est noir. Jésus dit que Jésus est noir. Est-ce que vous avez des références quand vous dites que Jésus est noir parce que la Bible a été emmenée par le blanc, c'est l'œuvre de la colonisation? Ça va nous sortir un peu de notre thématique, mais nous avons déjà expliqué la race des Hébreux. Okay. Les descendants de Héber, quand vous suivez le fil, Genèse 5, Genèse 10, Héber, c'est ce qui a donné Hébreu. Donc les descendants des Hébreux là, et les Sémites et tout ça, c'était un peuple noir. Ça peut vous choquer parce qu'on nous a présenté autre chose, mais encore une fois, j'ai l'occasion de rappeler, nous ne prêchons pas la race de Jésus, mais la grâce de Jésus. Qu'il soit blanc ou noir, ce n'est pas ça qui sauve. Ce n'est pas le plus important. Même si vous croyez qu'il est blanc, croyez au moins qu'il a versé son sang. Son sang n'a pas de couleur et vous serez sauvés. Apôtre, j'ai une question. Alors, pour les chrétiens qui nous suivent depuis leur maison, quel est le but, le côté pratique de ce thème dont vous voulez développer ce matin sur les quatre dimensions? C'est comprendre la largeur du plan de Dieu. Dieu s'ouvre à toutes les générations, à toutes les nations, à toutes les ethnies, à toutes les cultures, okay, à tous les peuples. C'est pour dire que le salut, le message de Jésus ne concerne pas les blancs ni les noirs, mais c'est pourquoi nous avons parlé de l'universalité du royaume de Dieu et de son message. La longueur, ça veut dire que le royaume de Dieu subsiste. Donc, lisez Daniel 6, lisez
Matthieu, tous les évangiles, vous allez voir que c'est un royaume qui est éternel, qui subsiste dans la longueur du temps et de l'espace. Le royaume de Dieu subsiste. Donc, il n'a pas de durée. J'ai cité Psaume 33, verset 11. Le plan de Dieu implique l'établissement de son royaume. C'est de génération en génération. Le message, la puissance de Dieu, tout ça s'étale sur la longueur du temps. Et cette longueur du temps, on l'appelle l'éternité. Donc, c'est un temps qui n'a pas de limite. C'est ça la particularité de la longueur du royaume de Dieu. C'est un royaume éternel. Ceux qui entrent, qui font partie du royaume de Dieu, vivront éternellement. Ceux qui ne sont pas dans le royaume de Dieu, mais qui relèvent du royaume des ténèbres, après leur vie ici sur la terre, nous pouvons ils seront jugés parce qu'ils sont limités par le temps. Allô, oui. Bonjour. En fait, le thème du pasteur est un bon thème, mais sauf que le pasteur parle des quatre dimensions. Oui. Alors que les quatre dimensions, il doit commencer par la première, à expliquer la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Mais la façon qu'il a expliqué les dimensions, on ne comprend rien par rapport au thème. C'est tout ce que j'allais dire. Vous n'avez rien compris de la manière dont l'apôtre a expliqué. Ok, vous avez raison toutefois. Vous avez raison toutefois, parce que je n'ai parlé que de la largeur de cette ouverture qui présente la diversité et tout ça, les facteurs du royaume de Dieu. Et je viens de parler de la longueur, c'est le temps surtout. Et dans chaque dimension, il y a des valeurs. Quand je parle de la largeur, il y a des valeurs intrinsèques. Celui qui est dans le royaume de Dieu, avec sa culture et ses valeurs, viennent en lui. Donc, dans ton cœur, quand tu reçois en toi le royaume de Dieu, dans cette troisième dimension qui est la profondeur, donc le cœur, l'intimité, ça te transforme et tu as dans ton cœur, dans ton âme, la largeur. Ça veut dire que tu ne fais plus acception de personne. Tu n'es plus limité, rétréci. Tu t'ouvres. Comme Christ s'est ouvert, tu aimes tout le monde, tu acceptes tout le monde, tu as de la patience, tu as de la place dans ton cœur pour tout le monde. Donc à chaque dimension correspondent certaines valeurs, tout comme dans la longueur. Dans la longueur, celui en qui le royaume de Dieu est descendu au fond de lui. Mais vous n'avez pas évoqué la hauteur. Parce que... Oui, justement, je vais clôturer par la hauteur. Dans la longueur, il y a beaucoup de valeurs. Autant la longueur du temps, ça veut aussi dire la persévérance, ça veut aussi dire avoir une vision lointaine, une vision eschatologique, aller jusqu'à la fin des temps et voir l'éternité pendant qu'on est dans le allô, présent. Ça veut aussi dire gagner en... Allez-y. Premièrement, je veux dire à la police une idée. Quel mot qu'il est enseignant. J'essaie de résumer seulement les réponses. Vraiment, j'essaie de résumer les réponses parce qu'il y a trop d'appels. Ma question est celle-ci. Lorsque le Seigneur dit que ton règne vienne, par rapport à ce thème-là, il s'agit là de quoi? Ok, lorsque le Seigneur dit que ton règne vienne, resituer ce message du Seigneur où c'est tellement en rapport avec les dimensions dont vous parlez. Je parlerai tout de suite de la troisième dimension. C'est à ce niveau du cœur que le royaume de Dieu descend. Ce n'est pas dans la tête. Vous pouvez avoir les informations, lire des livres sur le royaume de Dieu. Tant que ce qui est ici n'est pas descendu là, c'est la dimension de la profondeur, le cœur. Le royaume de Dieu fait de Jésus-Christ votre roi, donc votre Seigneur et votre Sauveur. Et c'est dans le cœur qu'on croit en Jésus et on s'ouvre au royaume de Dieu. Donc, dans cette troisième dimension du cœur, il y a des gens qui ont la religion ici, mais le christianisme, c'est dans la tête, la christianité, c'est dans le cœur. Jésus, donc on peut prendre celui-là. Allô? Allez-y, l'apôtre vous écoute. Oui, ma question, c'est je voudrais savoir, je vais poser la question au pasteur qui est là sur le plateau. Allez-y. Oui, je voudrais savoir finalement que sommes-nous venus faire ici sur Terre, l'homme. Qu'est-ce que l'homme est venu faire ici sur Terre? Merci beaucoup. Qu'est-ce que l'homme est venu faire sur Terre, venu chercher? Quelle est la vraie
le but de l'existence de l'homme sur terre, en d'autres termes, c'est la question qu'on vous pose. Nous avons été créés pour glorifier Dieu. Nous avons été créés pour vivre, pour manifester l'amour, les caractères de Dieu, les perfections invisibles de Dieu, son amour, ses valeurs ici sur la terre. C'est pourquoi on parle du royaume de Dieu, de ses valeurs, de sa culture, aussi de sa puissance. Tout ce qui est Dieu sur la terre a été représenté par Jésus. Selon Hébreux 1, il est l'image du Dieu invisible. Le Dieu qu'on ne voit pas a été vu par Jésus dans ses valeurs, dans sa puissance, son autorité, dans sa largeur, dans sa longueur, son éternité, dans sa profondeur, etc. Dans toutes ces dimensions, justement. Nous vivons pour Dieu, mais le diable nous fait vivre pour la gloire de ce monde, pour le glorifier, lui. Si nous prêchons ces choses, c'est justement pour revenir au royaume de Dieu. Dieu veut manifester son règne ici sur terre. Nous vivons pour servir Dieu, que ce soit dans la bénédiction, quelqu'un qui nous pose affaires. La question. Il nous écrit depuis Mbinda. Il dit, pasteur, il s'appelle Lévi, depuis Mbinda. Il dit, quels sont les composants du royaume des cieux? Quels sont les composants exactement? Parce que le royaume des cieux, oui, on en parle, on voit Jésus, mais il est composé de quoi exactement ce royaume? Alors, quand on parle d'un royaume, c'est aussi comme on parle, d'une certaine manière, d'un État. Il y a la constitution d'un État, il y a le royaume aussi en tant qu'institution divine sur la terre. Il y a la nationalité qu'on a appelée christianité, être citoyen céleste ici sur terre, ça ne passe que par la foi et l'attachement à Jésus. C'est ça la christianité. Ça commence par naître. Avant d'avoir l'identité de vos parents, il fallait naître de vos parents. Pour avoir l'identité de Dieu ici sur terre, il faut naître de Dieu et cela n'est possible que par la repentance et la foi en Jésus. Ça commence par là. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, si tu n'es pas né d'en haut, tu ne peux pas voir, comprendre et accéder au royaume de Dieu. Après avoir été adopté, tu dois t'adapter. Donc, c'est là que notre culture, notre philosophie doivent épouser les valeurs, la culture du royaume de Dieu. Le message du royaume de Dieu, l'accès dans le royaume de Dieu, et c'est après que vous expérimenterez la puissance, donc la hauteur, la domination du royaume de Dieu. L'apôtre vous écoute. Allez-y, on vous est en direct, l'apôtre vous écoute. Oui, bon, je voulais poser la question au pasteur. Allez-y. En fait, Dieu a marché après une famille de 12 personnes qu'il a appelé la famille d'Israël. Oui. Après, pendant qu'il est descendu pour venir s'accomplir sur terre, il a marché aussi avec 12 hommes, donc disons 12 disciples, 12 apôtres. Oui. Bon, maintenant pour ça conclure, comme nous dit le pasteur, c'est pas pour une seule ethnie, c'est pas pour un seul peuple, c'est pas pour une seule race, c'est pour toute la terre entière. Oui. Donc ma question, elle est celle-là. Une famille de 12 personnes, 12 disciples, 12 apôtres, est-ce que ça a un rapport dans une relation ou bien une communion avec les 12 départements qui forment la République du Congo? Une famille. Allez-y, reprenez s'il vous plaît. Une famille de 12 personnes dans la famille d'Israël. Oui. Et les 12 apôtres qui ont servi à ses côtés. Oui. De 12 personnes. La famille d'Israël était formée de 12 personnes, les enfants d'Israël. Oui, oui. Qui ont fait l'État d'Israël, 12 tribus d'Israël. C'est ça la famille d'Israël. Oui. Et quand il est descendu, il a travaillé aussi au finir avec 12 apôtres ou 12 disciples. Oui. Donc maintenant ma question, parce que moi vraiment, depuis longtemps je me pose la question sur le fait ça, est-ce qu'il y a un rapport, disons, une communion avec les 12 départements de la République du Congo aujourd'hui? Ah, merci beaucoup. En fait, il se pose la question, il voit Israël, on parle de 12 tribus, qui sont issues de Jacob. Et Jésus, quand il vient, il se choisit 12 disciples avec lesquels il évolue. Et le pays
le Congo, qui est le pays dans lequel nous habitons, c'est un pays à 12 départements. Est-ce que il veut savoir, est-ce que cela a-t-il un lien ou une promesse spirituelle dans la mesure où notre pays se retrouve dans cette situation? Si on veut, on peut appliquer, okay, on peut appliquer cette gematria et tout ça à notre nation, entrer dans les chiffres, mais ça n'a pas un rapport direct, parce que le chiffre 12, on peut le retrouver un peu partout. Maintenant, si on peut faire un rapprochement, pourquoi pas? Si Dieu approuve une révélation, ça peut s'appliquer sur les 12 tribus, il n'y a pas de problème. Mais ne croyez pas naïvement que tout de suite, les 12 tribus, les 12 apôtres font allusion au Congo. Mais par la grâce de Dieu, on peut faire un rapprochement. Allô? Question. Oui, allez-y. Je suis Monsieur Nimi de Coupointe-Noire. Oui. Ok. Je voudrais demander au pasteur si et seulement si les quatre dimensions dont il fait état suffisent pour entrer dans le royaume des cieux. Oui. Voilà, c'est ça ma question. Est-ce que les quatre dimensions suffisent ou bien il y a encore un autre travail à faire et respecter d'autres règles pour entrer dans le royaume des cieux? D'accord, apôtre, est-ce que les quatre dimensions suffisent pour rentrer dans le royaume des cieux ou bien il y a un autre travail à faire? Ce sera certainement la dernière. Quatre dimensions, ce n'est que... Je pouvais parler des quatre clés, j'ai parlé de la dynamique, okay, du royaume de Dieu, les différentes forces. Donc, dans ces quatre dimensions, c'est une présentation, donc je tire ça de Hébreu, plutôt Éphésiens 3, à partir du verset 17. Je prends ça. Ces quatre dimensions, initialement dans la Bible, font allusion à l'amour de Dieu. Comme l'amour est la valeur fondamentale du royaume, c'est l'atmosphère qu'on respire principalement dans le royaume, je tire cette révélation des quatre dimensions dans ce verset. On peut parler du royaume de Dieu de plusieurs manières. On ne peut pas limiter cela. Mais moi, par révélation, je peux parler de la puissance du royaume de Dieu, de sa domination dans la quatrième dimension, ça veut dire la hauteur. Le royaume de Dieu, quand vous entrez dans le royaume de Dieu, Dieu vous place au-dessus de la magie, de l'occultisme, des loges, du fétichisme, au-dessus des esprits de mort, au-dessus des esprits des sirènes. C'est là la quatrième dimension. Vous pouvez appeler ça autrement, vous pouvez appeler ça l'élévation, tout ce que vous voulez, mais moi, par révélation, je l'appelle ici, dans cet enseignement, la quatrième dimension, donc la domination. Tout comme j'ai parlé de l'éternité du royaume, pour parler de la longueur dans le temps, j'ai pas pu parler de la profondeur, ça veut dire l'affermissement, les assises du royaume, la fondation du royaume. On va prendre la toute dernière question avec la dame. Quelles sont les valeurs sociales et législatives du royaume de Dieu? Il y a ce que Jésus a appelé, je parlerai de l'amour dont je viens de faire mention tout à l'heure. Il y a l'amour qui caractérise premièrement les citoyens du royaume de Dieu. Lorsque par le Saint-Esprit, on vous a octroyé la citoyenneté, dont le droit de cité dans le royaume de Dieu, la première valeur à enseigner, dont il faut s'imprégner, c'est l'amour. Quand vous avez l'amour, vous avez tout. L'amour excuse tout, supporte tout. Dans l'amour, il y a l'égalité, il y a la justice en tant que valeur morale. Et autre facteur, dans cette justice, nous avons parlé de la justice judiciaire, pas seulement de la justice relationnelle ou sociale, qui relève des institutions pour juger les gens selon les principes et les valeurs de Dieu. La justice, merci, en tant qu'institution du royaume de Dieu, ici sur terre. Merci dans tous les beaucoup. Cas, nous y reviendrons dimanche prochain. Merci beaucoup, apôtre. Mais le numéro, par lequel, parce qu'il y a trop d'abeilles, c'était moi qui... Nous restons à votre disposition au même numéro, 06 903 51 14. 06 903 51 14. C'est donc la fin de cette rubrique questions-réponses. Merci à l'apôtre pour avoir accepté ce jeu. Merci à Lisette, merci à Okombi. Et donc, sur le 210, continue, restez scotché.